أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. حصة اليوم إن شاء الله نخصوها لتوناليتي، وبطبيعة الحال هاد لتوناليتي ما تهموش فقط لزيلاف دي لابرميير أني، لكن حتى لزيلاف ديال لو ترون كوما وديال لا دوزيام أني. إذن حصة اليوم إن شاء الله غتكون جد مهمة، لأنه لي توناليتي داخلين في لاناليز ليتيرير، إي أون نو بو با فار دو لاناليز ليتيرير سون بارلي دو دي توناليتي. تو دابور أون دوا ديفينير لو مو توناليتي، أشني هي لا توناليتي؟ إل فو فار لا ديفيرونس أونتر registre, et il faut faire la différence entre le genre et la tonalité. Donc, dans le genre littéraire, on peut distinguer plusieurs types. Adna le roman, adna la nouvelle, adna l'autobiographie, le conte, le théâtre, la poésie, etc. Et pour chaque texte, on a une ou la des tonalités. Alors, la tonalité smitha, donc il a trois noms, la tonalité, le temps ou le registre. Chaque professeur utilise un nom déterminant. Donc, il utilise la tonalité, il utilise le temps, il utilise le registre. Alors, la tonalité, qu'est-ce que la musique. Donc la première fois que le mot tonalité a été utilisé, vous avez dit le mot de la musique. Nous avons pris la musique et nous avons l'adab, la littérature. Nous avons pris la tonalité dans la littérature. C'est l'effet produit par un texte sur le lecteur et les émotions provoquées. C'est l'effet qui a été fait dans le ولا القراءة ديال واحد النص عند القارئ والشعور اللي تيخلق عنده. دونك لا توناليتي هو داك الشعور ولا داك الاحساس اللي تيخلق عند القارئ عند قراءة واحد النص ادبي بطبيعة الحال. دونك لا توناليتي سي ليفي لامباكت برودوي بار لا ليكتور دان تيكست سور لو ليكتور. هو وجب تحديد واحد القضيه بدا نهضروا على لو ريجستر. خصنا نتابعوا لان كاين لي جوج ديال لي ريجستر، كاين لو ريجستر دو تيكست وكاين لو ريجستر دو لانغ، ماشي بحال بحال. دونك الا قال لك لو ريجستر دو تيكست هنا سي لا توناليتي، ولكن الا قال لك لو ريجستر دو لانغ سي لو نيفو دو لانغ. دونك فيت اتونسيون، كاين لو ريجستر دو لانغ كاين لو ريجستر دو تيكست. Alors, donc, la tonalité ou le choix qui est 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 l'auteur qui cherche à produire cet effet sur le lecteur. Donc, on distingue plusieurs types de tonalités. La première, c'est la tonalité lyrique. Alors, la tonalité lyrique est la tonalité la plus ancienne. Il est apparu avec la poésie lyrique. Donc, la poésie lyrique, ou d'accord, les cantitres, les Grecs, bien sûr. Alors, il est atteint dans la tonalité lyrique, son but, faire partager ses sentiments, ses états d'âme, exprimer des sentiments personnels de manière spontanée et poétique. Donc, il est atteint dans la tonalité lyrique lorsque celui qui parle utilise le pronom personnel « je », donc il parle de lui-même, et lorsque il exprime des sentiments personnels. Donc, il a le moment de relever le champ lexical des sentiments, voire de texte, afin de la tonalité lyrique. Donc,
relever le champ lexical des sentiments, devenir soit tu comptes voir quelle est la tonalité. La tonalité, c'est bien sûr lyrique. Donc, quand on juge la tonalité lyrique, là, le pronom personnel, je ou l'expression des sentiments. Mais je ne parle pas des sentiments positifs, on a peut-être des sentiments négatifs. Alors, les sentiments positifs, l'amour, l'espoir, la joie, etc. Ou les qui négatifs, la tristesse, la colère, etc. Donc, voilà pour ce qui est de la tonalité lyrique. La tonalité pathétique. Donc, lyrique, qui est une la boîte à merveille. Pathétique, qui est une la boîte à merveille. Qui est une, bien sûr, le dernier jour d'un condamné, Antigone. Il faut dans la tonalité pathétique, son but est émouvoir le lecteur, faire ressentir la compassion au lecteur. Donc, il faut dans la tonalité pathétique lorsque l'auteur décrit ou la raconte le malheur et la souffrance d'un personnage de manière à susciter la pitié ou la compassion du lecteur. N'attends comme exemple من الواقع. دابا شي واحد الا كان يطلب واش خصو يجي لابس كوستيم وقاد تيبان بانه مريض وبانه عنده شي عاهه وهذه وهذه علاش؟ باش يثير الشفقه ديالو. سي لا ميم شوز بالنسبه لتوناليتي باتيتيك. هو ملي تيكون الكاتب تيركز على الالم ولا المعاناه ديال الشخصيه ديالو باش ياثر في لو ليكتور. كاينه لو ديرني جور دان كون دان كتير بزاف. لا توناليتي pathétique, il peut être il a relevé le champ lexical de la douleur ou de la souffrance. Alors, bien dans la tonalité, c'est pathétique. Ça, bien. Donc, le champ lexical ou de la souffrance, dit le mouanet, dit l'elem, la tonalité pathétique. Troisième tonalité, il y a la tonalité ironique. Donc, quand Dolbel a juste tonalité, deux tonalités. Li titcherou, nanou dhom, qui est ironique, satirique. Titcherou, qui est xilep, nanadim, haoulan dhom. Alors, M. la tonalité ironique, Gelik sans but, critiquer, railler, dénoncer des personnages ou des comportements. Yani, m'litan taqdo, ou l'atan s'kha, ou l'atan l'hkom s'yahed, t'adore la tonalité ironique. On se moque de quelqu'un ou de quelque chose. On critique un personnage ou un comportement. Alors, bien sûr, la tonalité de site, la tonalité ironique, qui est le dernier jour d'un condamné, qui est Antigone, bien sûr, Antigone à crayon. Oh, ok, tape la boîte à merveille, bien sûr. Alors, la tonalité tragique, mais je te dis un mot tragique, tu voulais qu'un accident tragique est arrivé à la sortie d'un Knesset, maintenant. Un accident tragique est arrivé à la sortie d'un Knesset. Dès 1800, tragique, elle est cadée, puis elle monte. Donc, le champ lexical, d'abord, c'est qu'on le champ lexical de la mort. Il est qu'il relevait le champ lexical de la mort. Automatiquement, la tonalité, c'est tragique. Vous voyez qu'il y a un deuxième point, la tonalité tragique, lorsque le personnage doit faire face à une force supérieure. Yani, il y a maintenant Antigone. Antigone, il y a un blia, daïf, hazi, là, ou qu'il y a un ratouage, un crayon, il y a un homme d'abord robuste. Il est un homme, il est le roi, donc il a le pouvoir. Et c'est un combat inégal, bien sûr. Donc là, les chandos, la tonalité tragique. Donc dans la tonalité tragique, son but, faire naître la crainte et la pitié, susciter l'effroi ou la peur et la pitié face à la fatalité ou le destin mortel, le qadar, le qatil qui s'abat sur un personnage. Bien sûr, Antigone est une tragédie. Et automatiquement, la tonalité dominante, c'est la tonalité tragique. Mais aussi dans le dernier jour d'un condamné, qui est la tonalité tragique. Aussi dans la boîte à merveilles, la page 88-89, qui est là, la tonalité tragique avec la mort de Sidi Mohamed,
Bertha. T'aimes sur la tonalité polémique. Alors, la polémique, une polémique. Alors, la polémique, où est le jedel? Mais tu connais juste la tsaro. Donc, c'est un duel verbal. Ça va, chef, oui, merci. Alors, son but, c'est réfuter les idées d'autrui, discréditer. L'adversaire, faire sa caricature, indigner le lecteur afin de le faire réagir. Donc, dans la tonalité polémique, lorsque il est question de deux opinions, de deux avis qui s'affrontent. Thème sur la tonalité fantastique, alors son but, semer le doute dans l'esprit du destinataire, créer une atmosphère angoissante dans laquelle le lecteur doute de la véracité, alors la véracité, j'ai un vrai, des phénomènes d'ordre naturel, surnaturel. Alors, tu as dans la tonalité expliquée logiquement. Le chevalier double. Donc, lorsqu'il se passe des choses incroyables dans la réalité, tu as dans la tonalité fantastique, tu as dit, oui, je l'ai. Mais il me la tonalité fantastique. T'aimes sur la tonalité dramatique. Alors, la tonalité dramatique, j'aime le verbe dramatiser. Dramatiser, il y a exagéré un problème. Tête belle. On a l'exemple, bien sûr, de l'Ellezoubida. L'Ellezoubida a tendance à dramatiser. Dieben Mouchkil serait déjà une no, Mouchkil Kbir. Donc, Galik, son but est produire un effet de suspense par des ralentissements et accélérations pour tenir le lecteur en haleine. Bien sûr, la tonalité dramatique est présente dans la boîte à merveilles. Temsiul aussi présente dans Antigone. Alors, Temsiul, la tonalité épique. Alors, épique, dit jet. Jet, l'épopée. Alors, l'épopée. L'épopée, il y a le melhama. Alors, épique, c'est l'adjectif qui vient de l'épopée. On te voit que le Kumarafin, il y a l'épopée, il y a le melhama. Tu vois l'Iliade et l'Odyssée. Donc, melhamet, l'Iliada ou l'Odyssée. Donc, je tiens la tonalité épique, c'est d'écrire une scène de manière à produire un effet d'agrandissement. Spectaculaire à la manière des épopées. Donc, c'est lorsqu'on parle de la tonalité, lorsqu'on essaie de glorifier un personnage ou là, un acte en le présentant comme un héros ou là, comme un acte héroïque. La tonalité réaliste. Donc, la tonalité réaliste. Alors, la tonalité réaliste, les descriptions, c'est lorsque l'auteur insiste sur des détails pour montrer la réalité. Son but, produire un effet réel, une illusion de réalité. Donc, bien sûr, Anna, le dernier jour d'un condamné va Kéina, au champ ou la ficelle. La tonalité comique existe là où le texte cherche à faire rire par des gestes, par des mots, par des situations. Le bourgeois gentilhomme, c'est une comédie. Donc, la tonalité comique, telle qu'on observe la comédie, le sketch ou la blague. Donc, la blague, il y a donc ça, le sketch, ou bien sûr la comédie. Et on termine par la tonalité satirique. La tonalité ironique ou satirique, donc il y a des gens qui ne font pas la différence. Beaucoup de gens ne font pas la différence. Mais la tonalité satirique ou la tonalité ironique. Son but, critiquer de manière implicite, en sous-entendant le contraire de ce qui est exprimé explicitement. Donc, le fait que l'équilibre a été ironique ou la tonalité satirique,
هو أن لا توناليتي إيرونيك تتكون كريتيك ديريكت تقدر تكون كاع جارحة لا لا توناليتي ساتيريك تتكون امبليسيت انديريكت يعني بطريقة غير انتقاد ولكن غير مباشر هذا هو الفرق ما بين لا توناليتي إيرونيك و لا توناليتي ساتيريك Voilà donc pour le cours. On va passer à des exercices. Est-ce que vous avez des remarques ou là, des questions avant de passer à l'exercice? Donc, j'ai prévu un exercice d'application à partir de la boîte à merveilles, du dernier jour d'un condamné et bien sûr d'Antigone. Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va pour vous? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et qui mérite d'y revenir? Les tonalités. Donc, la tonalité, il y a la question, l'idée est peut-être qu'on le dit, ou l'idée est peut-être qu'on t'aime le champ lexical. Tu veux qu'on dit relever le champ lexical, tu veux dire que je suis en tonalité. Donc, le champ lexical nous aide toujours à trouver la tonalité. Tu n'as pas le champ lexical, mais je n'ai pas la tonalité. Alors, monsieur, donc, si vous êtes prêts, donc on va passer à l'exercice. Donc, on a l'exercice ici. Alors, il y a un exercice que nous allons faire. Alors, je vois comment situer le passage. L'image n'est pas claire. Donc, l'image n'est pas claire. Non. Zian, ça va? Ça va? Alors, je crois que c'est ça va maintenant. C'est clair? Alors, oui, est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai vu tout à l'heure des questions. Ben Oulié chez S.I.L.A. Ben Oulié chez S.I.L.A. Alors, Wacha ta'aoud kulla chant ma la tonalité. Marhaba. Mazel. Alors, ma femme. Alors, mazel. Waqt bzaf. L'image n'est pas claire. Comment situer le passage? Image floue. Wacha ta'aoud. Alors. Donc, si vous l'aide l'exercice d'application, tu veux mettre l'image claire, mais tu lis ma machine claire, ça va? Ça va bien? Alors, donc, le temps, le temps, la tonalité, ou le registre, il y a une image que tu veux dire, عم بيناتنا نضرب على لا ميم شوز كيلي لو طون ولا كيلي لا توناليتي ولا كيلي لو جو روجيستر اللهم هذاك لو روجيستر اللي خصكم تحضيو معاه الا قال لكم لو روجيستر دو لانغ راه ماشي هادشي لو روجيستر دو لانغ يعني لو نيفو دو لانغ الا قال لكم لو روجيستر دو تيكست هذاك هو لا توناليتي تفهمنا Alors, exercice d'application, identifier les tonalités contenues dans les énoncés suivants. Donc, premier exercice, premier paragraphe. Alors, premier paragraphe. Donc, premier paragraphe. Alors, observons ce premier paragraphe. Alors, premier paragraphe. Ouais.
Observons ce premier paragraphe et dites-moi quelle est la tonalité que vous pouvez. Alors, je crois qu'il y a un problème, donc ça ne va pas. Est-ce que l'image est toujours floue? Ouais. Alors, je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai et suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Chapitre 9, 2, le dernier jour d'un condamné. Donc, quelle est la tonalité contenue ici? C'est la tonalité, j'attends votre réponse, c'est, je crois que la tonalité, c'est, personne. Je viens de faire mon testament, le testament ou le wasiya. Il me dit, il dit, c'est le wasiya. À quoi bon? Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai et suffira à peine. La guillotine, je dis à la guillotine, elle dit l'Iden, c'est trop cher. Iden, la tonalité c'est tragique. Donc la tonalité, bien sûr, est tragique parce qu'il parle de la mort. Donc le narrateur parle de la mort. Je suis le deuxième paragraphe. Alors, le deuxième paragraphe, les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous des condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de changer en ma situation? C'est le chapitre 3 de le dernier jour d'un condamné, et quelle est la tonalité que vous avez ici? Ouais. La tonalité, c'est. C'est la tonalité tragique. Non. Lyrique. Non. Et la tonalité, c'est ironique. Bien sûr, il se moque. Il n'y avait que cela de bon. C'est la tonalité ironique. Donc, la prochaine fois, je vous donne trois choix. Temshioul, troisième paragraphe. Troisième paragraphe. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort, mais la laine me manqua et je ne pus que lui l'arrêter rudement par le bras en criant avec une force convulsive. Non, chapitre 2 du dernier jour d'un condamné. Alors, je vous donne trois choix. Est-ce que c'est la tonalité ironique, pathétique ou tragique? Quelle est la tonalité que vous pouvez identifier dans ce troisième paragraphe? Est-ce que c'est la tonalité pathétique, ironique ou bien tragique? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la tonalité pathétique. Parce qu'il apprend, ou là, il nous apprend la douleur qu'il a reçue, sa colère surtout, contre la proposition de l'avocat. Et on passe au paragraphe suivant. Donc, paragraphe suivant, c'est « Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité
semblait prendre intérêt à moi. Mourir si jeune d'une telle mort, c'est le chapitre 15 du dernier jour d'un condamné. Et donc la proposition, est-ce que c'est la tonalité pathétique, est-ce que c'est la tonalité tragique ou bien ironique? Hein? Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou, c'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi, mourir si jeune d'une telle mort, bien sûr, c'est la tonalité pathétique. La tonalité est pathétique. 5. Alors, 5. Le matin du quatrième jour, le substitut du procureur, Wena ibn Wakil, général, donc le procureur général Wena Wakil, hein, se dit en mettant sa cravate, il faut pourtant que cette affaire finisse. Chapitre 8. Donc, quelle est la tonalité ici? Est-ce que c'est pathétique, tragique ou bien ironique? Est-ce que c'est pathétique, tragique ou bien ironique? Je relis. Le matin du quatrième jour, le substitut du procureur général se dit en mettant sa cravate, il faut pourtant que cette affaire finisse. C'est le chapitre 8 et bien sûr la tonalité c'est pathétique. Sixième. Sixième, je crois que j'ai donné tout de suite la réponse. Alors, condamné à mort, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Bien sûr, la tonalité ici, c'est tragique. Elle est tragique parce qu'il est question de la mort. On peut dire aussi tonalité pathétique parce qu'il est question de la souffrance. Et de la condamnation à mort à causer de la souffrance au narrateur. Alors, achetons le champ lexical de la souffrance. Un seul, glacé, ou un poids. Ou un condamné à mort pour la tonalité tragique. Temchioul, la question, la phrase 7. Ah, qu'une prison est quelque chose d'infâme, il y a un venin, Wessum, qui salit tout, tout s'y flétrit, même les chansons d'une fille de 15 ans. Vous y trouvez un oiseau, il a de la boue sur son aile, vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue. Chapitre 16. Alors, la tonalité, c'est pathétique. Pourquoi? Parce que le narrateur décrit ses sentiments à l'égard de sa condamnation à mort et toute cette vie qui a changé depuis qu'il est placé en prison. Alors, phrase suivante, ou le paragraphe suivant, c'est le 8, donc c'est le chapitre 8. Alors, pour le chapitre 8, regardez. Alors, pour le chapitre 8, cela seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien dans ce monde? Chapitre 6 de Le dernier jour d'un condamné. Et quelle est la tonalité? Ici, c'est est-ce que c'est pathétique, est-ce que c'est tragique, est-ce que c'est ironique? Donc, je répète, cela seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort, est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Chapitre 6, et la tonalité, bien sûr, c'est tragique, parce qu'il est question de la mort. Il y a tout un champ lexical de la mort. Temchiou, la question, ou le paragraphe 9.
L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaîne des galériens. Alors les galériens, moi donc les forces, j'éprouvais une grande lassitude, la lassitude, il y a la fatigue de Bicêtre, chapitre 15. Alors, donc, quelle est la tonalité contenue dans cet énoncé? Est-ce que c'est pathétique? Est-ce que c'est tragique? Est-ce que c'est comique? Et la bonne réponse, alors, l'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaîne des galériens. J'éprouvais une grande lassitude de Bicêtre. Bien sûr, là, le narrateur est en train de décrire sa souffrance en prison. Donc, c'est la tonalité pathétique. Alors, 10. Alors, 10. Alors, 10. Alors, regardez. Alors, 10. Le soir, il rentre le cœur gros, les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Et c'est la boîte à merveilles, le chapitre 3. Je répète, le soir, il rentre le cœur gros, les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Et la tonalité est tragique, pathétique ou bien ironique. Voilà, très très bien, vous l'avez deviné, c'est la tonalité pathétique parce que le narrateur ici explique et décrit la souffrance du narrateur de Sidi Mohamed qui ne pouvait pas avoir de compagnon. Donc, on a le cœur gros, on a les yeux rougis. Donc, c'est la tonalité pathétique. Alors, 11. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve, alors la trêve, Yelhoudna, pour s'occuper de sa santé propre. Elle se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. Est-ce que la tonalité ici est comique, ironique ou bien pathétique? Oui, c'est vrai, donc... La tonalité ici, c'est ironique, parce qu'il critique Chouafa. La tonalité ironique que sa science ne pouvait réduire, parce que la Chouafa n'a pas de science. Temchou, le paragraphe 12. Elle éclata franchement de rire. Sa gaieté soudain me rendit toute ma confiance. Je ris plus fort qu'elle, je battis des mains. Donc c'est la boîte à merveilles, page 183, le jour du départ de l'Mu'allim Abslam. Est-ce que la tonalité est lyrique, pathétique ou bien ironique? Voilà, très très bien. Vous l'avez deviné, c'est la tonalité lyrique. Je ris. Alors, 13. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort, et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein, des mots qui vous condamnent. C'est Antigone, la page 68. La question... Quelle est la tonalité contenue dans cet énoncé? Quelle est la tonalité contenue dans cet énoncé? Est-ce que c'est ironique? Est-ce que c'est comique ou bien pathétique? La réponse, bien sûr, c'est la tonalité ironique. Pourquoi? Parce que Crayon critique Œdipe, le père d'Antigone. Alors, 14, vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout.
Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. C'est laid, un homme qui a peur. C'est laid, un homme qui a peur. La tonalité est-elle comique, lyrique ou bien ironique? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est ironique parce qu'Antigone se moque de Créa. Donc, elle critique, elle se moque de Créa. 15. Alors, pour 15, regardez, mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues, cette dégoûtante créature a souillé mon linge propre avec ses guenilles qui sentent l'étable. C'est la page 18 de la boîte à merveilles. Alors, la tonalité est-elle ironique, lyrique ou bien tragique? Voilà, très bien, c'est la tonalité ironique parce que l'Elezoïda rapporte ce qui est arrivé, ce qui lui est arrivé avec la voisine, Rahma, et bien sûr, il critique sa voisine, donc la tonalité, il est ironique. La tonalité est ironique, bien sûr. Alors, paragraphe suivant. Alors, pour le paragraphe suivant, j'entamais un beignet, il devint dans ma bouche pâteux et sans goût, je le mâchais, le remâchais, le promenant d'une joue à l'autre, je finis par l'avaler sans plaisir. C'est la boîte à merveilles, page 198, juste après le départ de l'Imam Abslam, et bien sûr la vie du narrateur a complètement changé. Donc la tonalité, est-ce qu'elle est lyrique, tragique ou bien ironique? Ouais, bien sûr, ici c'est lyrique. Donc le narrateur exprime son dégoût, son amertume le jour du départ de son père. Ça veut dire que rien n'est plus de goût. Alors 17. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. C'est la page 97 de Antigone. Et je crois que vous allez le trouver facilement sans aide. Alors, si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir, mourir, mourir. Donc, c'est la tonalité tragique. Et on termine par la dernière phrase. Elle s'assit à même le sol, s'acharna sur son visage, se griffa, se tira les cheveux, sans proférer une parole. Sans proférer une parole. Alors, la tonalité est-elle lyrique, dramatique ou bien ironique? Et votre réponse, bien sûr, doit être la tonalité dramatique, parce que les Zoubida exagèrent dans ses réactions. Donc, c'est la tonalité dramatique. Voilà donc pour l'exercice que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. On revient. Est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris, que vous voulez comprendre? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des choses qui restent, qui ne sont pas très claires. Quelles sont les choses qui sont peu claires? Ouais. Avez-vous des questions ou bien des remarques sur le cours d'aujourd'hui? Donc, Gna, chaque champ lexical détermine wahd la tonalité. Donc, il faut savoir identifier les tonalités à partir du champ lexical. On doit identifier la tonalité à partir du champ lexical qu'on vous demande de relever. Alors, quelles sont vos questions? Et je rappelle que la question de la tonalité est toujours présente dans l'examen régional. Donc, on vous demandera toujours d'identifier la tonalité
ou pas nécessairement la tonalité pour tout le texte. Dans le même texte, deux, parfois même trois tonalités différentes. Et parfois, on peut, par exemple, vous donner juste une phrase et vous demander la tonalité contenue dans cette phrase. Avez-vous des questions, des remarques, quelque chose, des remarques sur le programme de cette année? Sur les œuvres, je ne sais pas. J'attends. Quelles sont les choses que vous voulez savoir, puisqu'on est ensemble? Donc, si vous n'avez rien à dire, je crois qu'on va arrêter la séance et demain, nous allons faire un cours sur le discours direct, le discours indirect. Donc, demain, inshallah, on va faire tout un cours sur le discours direct et le discours indirect et espérons améliorer la qualité de... Bien sûr, espérant améliorer la qualité de... Espérant améliorer la qualité de... du travail. La qualité de l'image. Peut-être que le son, ça va, mais je crois que l'image, vous avez dit, n'est pas claire. Voilà, donc merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Bonne nuit.